Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là que vous avez une information sans problème. Objectif point de presse, c'est pour un, nous dénoncer conditions d'un camarade nous à passer nuit yo dans la faculté, yo, notamment au niveau faculté de droit et des sciences économiques et à la faculté de médecine et de pharmacie. Deux, mander à rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour prendre responsabilité vis-à-vis étudiants. C'est-à-dire pour joindre une formule pressée, ne serait-ce que pour héberger étudiants. Parce que n'est pas normal pour en plein 21e siècle. Il bon pour nous voir comment étudiants a passé nuit. Et puis pour nous finir, nous voulons demander à gouvernement qui est en place là pour résoudre le problème d'insécurité. Notamment la question de kidnapping qui a gangréné et qui a appauvri la population haïtienne. Et c'est justement cette situation d'insécurité généralisée, pays en trouvé là, qui fait que étudiants, au lieu pour y aller à la caillou, pour ne pas tourner dans le cours de Messie de Veux, pour perdre du coup, ça a bien impact sur le cycle d'études, et mais vous préférez rester dans la faculté pour être capable de continuer avec le cycle d'études qui a déjà commencé. Nous passons savoir que le rectorat a mis un circulaire dehors dans la date 17 janvier 2022 sur la situation étudiants. Côté demandé à le secrétariat général ensemble faculté pour faire venir joindre les étudiants qui concernés par problème n'a dénoncé. Conférence matin, l'ISK dans le cadre de rendez-vous mensuel POAGH avec les vendredis de la plateforme. Donc, matin, nous choisissons de faire une conférence et pour POAGH continuer pour te solidarité à mobilisation ouvrier à ouvriers, cap mandé puis bon conditions de travail, cap mandé accompagnement social, cap mandé 1500 gouttes comme salaire minimum. Donc, nous croyons son revendication qui juste et son revendication qui m'a connu à droit fondal natal ouvrier à ouvriers yo gagnent, particulièrement les droits sociaux et économiques, droit pour yo capable jeune manger, droit pour yo jeune bon cas priorité, droit pour yo capable jeune soins de santé, droit pour yo capable bien sécurité sociale et droit pour yo capable payer l'école petite yo. C'est des droits fondamentaux et nous constater et conditions travail moun nan pays en général li dégradé et donc conditions travail ouvrier. Donc quoi que revendication ça li juste. La plus ou moins son revendication, qui pas pour le satisfaire, doit faire ou non, mais plus ou moins permettre et ouvrir à ouvriers et satisfaire des besoins fondamentaux. Parce que salaire que y a bayou, c'est un salaire qui pas permet de répondre à besoin de base. Yo. Et là, nous croyons que l'État, il y a intérêt pour le jeu ou le dans disposition pour permettre que ouvriers capable bien plus bon condition de travail. Dans l'actualité politique là, 7 mois depuis Ariel Henry trouvé la tête exécutif là, et un exécutif à une seule tête, bilan négatif, guerrier là, n'a cité, Rassemblement démocrate nationaux, progressistes, parti ancien professeur Leslie François Maniga qui baille, comme explication, augmentation quantité, ka kidnapping, la quantité, moun yo Kevin Pipov. Le pays. Un dirigeant et un parti ancien président dénoncer ça y aurait les manque volonté bon côté premier ministre là pour t'attendre un dialogue sincère pour résoudre la crise politique là. Jean-Paul Lundi. Bilan Ariel pendant 7 mois. Alors, si nous sommes professeurs, si nous avons corrigé Ariel, nous avons dit monsieur fait 3 sur 10. Ni loin pile pour réussir que moyenne. Ni clair pour Rassemblement démocrate national progressiste, c'est un amateur qui n'a tête pays. C'est vrai. Ariel Henry, c'est un coquin chaîne néo-chirurgien, mais comme chef gouvernement, performance n'est pas bon du tout. Bilan négatif. Cependant, Éric Jean-Baptiste reconnaît qu'il y a 2-3 petits efforts qui fait, c'est ça qui fait le bal 3 sur 10. Monsieur réussi, voyez, ancien KEP, nous connaît qui était nommé de manière unilatérale là. Allez, et un bon point.
Monsieur réussi mettre un gouvernement qui lui-même gagne un minimum ouverture là-dedans. Monsieur lancé l'école Pakatan dans quelques quartiers côté que bandit a fait la loi. C'est trois bons points. Mais ici, ça y est, pacifique. Réalité, c'est ça lié. Il parle pour tête li. 7 mois seulement, Ariel Henry est en commettre 7 gros fautes. Péché, ça y est, pesé lourd dans balance là. Secrétaire général RDNP, Eric Jean-Baptiste, pas de printemps pour citer, Zach kidnapping, yon cap augmenté, sans compter, gang armé qui pas suspend fait la loi. N'a vivre comment pays a. Les femmes, comment que nord et sud pas qu'à communiquer, comment que là, dans Delma, nous pas capable de jambé pour nous arriver qu'à fou. Chaque jour, qui quantité moun y a levé, qui dans la ria, y a kidnappé, qui quantité famille qui a crié. Donc, 0 sur 10 pour PM Ariel, la question sécurité. Insécurité a taillé banda. Phénomène là, des conséquences sur la vie économique pays. Nous saisi ouais Ariel Henry pas bail famille la misère fin croiser pied sous cotof l'estomac yo régler en rien pour lui au contraire il contribuer l'en rend malheureuse vin pi pauvre augmenter prix gaz c'est un soufflette marassa peuple la recevoir non mais donc là il contribuer à augmenter la vie chère lorsque lui mettait 100% sous gaz là un seul coup pas gain aucune continuité quel projet t'est commencé avant après Dieu t'ai fait voile pour payer son chapeau projet ça au campé pas aucune volonté bon côté Ariel Henry pour nom qui t'est nommé comme premier ministre là qui donc Jovenel Moïse joigne justice Zak assassinat ça capable passer tant qu'on lettre qui la poste Éric Jean-Baptiste pas mettre de l'eau dans bouche li les quoi premier ministre là a affaibli l'état crise politique a continué fait dialogue ça li pas dans agenda néo-chirurgien c'est un gros faute encore pas gain aucune volonté réelle la caille PM Ariel pour que gagner un dialogue nous s'est attendé tout bon qui fait un acte un protagoniste crise là volonté réelle ça non pas well du tout volonté qui pour débloquer situation politique là qui mission même premier ministre là qui l'a décidé remettre pouvoir Éric Jean-Baptiste veut joindre réponse pour question ça yo nan jepal Ariel Henry c'est tant que c'est un monarque ouais personne pas connaît qui l'a quitté tête pays c'est 7e faute locataire pour Mathieu commettre monsieur pas gain aucun calendrier monsieur le pouvoir là qui presque semble un pouvoir à vie nous pas connait mission nous avons d'aller faire personne monde pas connaît ni qui l'est KEP à monter ni est-ce que n'a gagné une nouvelle constitution ou pas si n'a gagné qui l'est assemblée constituante là à mettre campé sous pied ni est-ce que n'a arrêté notre démocratie veut dire élection face à constat ça qui c'est échec sur échec zéro barré dans Kaili RDNP décidé agir parti ça qui gagne en tête lui Éric Jean-Baptiste veut retourner l'immé flambeau mobilisation nous mêmes dans RDNP nous dit que politique c'est rapport de force et d'intelligence que lié tout et ben nous mêmes dans RDNP à partir de fin mois de mars là nous allons utiliser tout moyen pacifique pour nous faire respecter droit que constitution banne sitting marche grève manifestation pétition RDNP pral mette pied à terre RDNP veut faire premier pas tout secteur pas satisfait façon premier ministre a mené bac pays donc là affiché incompétence ni li montre elle c'est un amateur li pa gen aucune volonté pour attaquer problème insécurité mais ça qui t'a doué dans l'esprit tout le monde c'est est-ce que population a répondre appel politicien li pa gen aucune confiance dans yo de toute façon Éric Jean-Baptiste a cherché réveiller conscience population qui a fait face à insécurité misère la vie chère alors que ti peuple là était en coup mouton
y a mené l'abattoir. Lundi, bureau Sénat a rencontré hier jeudi en alliance pour Refondation Nation ARN. Un contrat inscrit dans le cadre préparatif qui gagnait pour à Kassoumer. Sénat République l'en prévoit organiser sous crise politique là dans le jour Cap-Vignon. Joseph Lambert a annoncé, il a déjà discuté avec divers secteurs dans perspective si là, pendant les longues droite sur Ariel Henry comme principal obstacle à réussite à Roumblessa. Côté Joseph Lambert, dans le micro, Wenchel Adrien. Fidèle à mandat que le collègue sénateur était bail bureau Sénat et tout l'autre sénateur engagé autour. Bon côté bureau Sénat pour nous garder autant que nous capables pour nous rapprocher des pôles contraires. C'est-à-dire rapprocher tout le monde qui croit que je ne veux pas. Faut un vrai consensus politique pour une nouvelle gouvernance qui est capable de permettre nous rétablir sécurité, imprimer l'autorité d'État, garder comment nous sommes capables de vivre à la normalité constitutionnelle à travers des élections. Tout ceci doit faire partie d'une dynamique politique claire, c'est ça que nous associer. Différents acteurs, nous avons rencontré, nous avons rencontré un peu de monde déjà dans la société civile, un peu de monde dans les droits humains, plusieurs, l'autre organisation paysanne, près de 49 syndicats ou coopératives paysannes que nous avons rencontré là, nous avons continué à rencontrer toujours. Nous avons rencontré et échangé déjà avec Alliance Unitaire d'Haïti, nous avons rencontré ensemble avec PEN, et là, je viens de vous dire, nous rencontrer avec l'ARN. L'ARN, c'est l'Alliance pour la refondation de la nation et qui gagne plus de 20 ou 25 partis politiques en dedans et pas les moindres, qui sont des signataires de l'accord du 11 septembre. Non, ça que nous avons essayé de faire, c'est rencontrer, non seulement permettre, rencontrer avec eux, mettez-nous d'accord sur le principe, le format à donner, l'objectif que nous devons nous fixer derrière tout ça, qui n'est pas un objectif, qui a un caractère personnel, qui est personnel, mais son bagage qui doit être tenu compte du bien-être collectif. Nous avons rencontré, et comme de fait, nous rencontrer au matin, et c'est l'occasion pour que nous n'en prenions pas ça, dans la conférence de presse, au moins nous gagnons point de vue autour, sur, et qui ont été sentis autour par rapport à tout ça que nous sommes discutés là pour initier à la base un processus qui doit mener nous à faire assise là et arriver à un consensus entre les différents grands pôles politiques et les acteurs de la société civile pour payer. Bon, moi, je me dis que le Premier ministre Ariel, c'est l'un des principaux obstacles à arriver, joindre, comme des cadres, un accommodement nécessaire pour arriver à faire, ça me déclarerait, qu'elle est une assise. Sénateur Joseph Lambert, président Sénat République là, cap paré là pour organiser nos jours cap vini là, un sommet sous crise politique là. Déjà, les rencontrer plusieurs secteurs dans le cadre de préparation rencontre ça. Sergo Gaspard avec Henri Robert Sterlin, ces deux représentants Alliance pour et Fondation Nation qui étaient rencontrés président Joseph Lambert hier jeudi 24 février 2022 à Nanchita Paléo. Deux représentants ont applaudi l'initiative ça, entité ça, qui a signé encore 11 septembre. Ariel Henry a encouragé Sénat dans une démarche pareille. Gaspard Sergo avec Henri Robert Sterlin, il était dans le micro, Wenchel Adrien. Parce que le Sénat a lancé à 6 ans, nous avons dit que c'est à Paris. D'ailleurs, nous pouvons prendre ça comme référence, article 12 de l'accord du 11 septembre, parce que nous sommes signataires de l'accord du 11 septembre. Je crois que c'est Chita Paris, et seul Chita Paris qui est garantie, qui a fait une révolution depuis ça. C'est ça que fait, nous avons écrit officiellement au Sénat pour nous dire à l'ARN, qui c'est l'alliance pour la refondation de la nation, nous croyons pour nous refondre la nation, ça, il faut nous Chita. Sur base patriotisme que nous devons parler. D'ailleurs, nous croyons que c'est un changement de mentalité pour qui fait nous changer l'État, pour nous changer la vie comme ça. C'est ça que fait. Nous croyons qu'il faut que nous fassions tout le monde, tout le secteur qui a donné et a cherché une façon pour retirer le pays dans la boîte qui est là. C'est ça que fait maintenant, là, quelques années de travail très fructueuses que nous, toutes là, nous apprécions.
échange été vraiment fait bien, très équilibré. On prend ni bon côté Sénat, ni bon côté nous. Question, t'es venu pour ce sans problème. Et nous féliciter le Sénat par l'intermédiaire de son président, l'honorable sénateur Joseph Lambert, qui prend l'initiative ça, et nous souhaiter que pays levé, entré et marché mieux. On voit tant le pas au propos que vient de tenir le président de la délégation de la RN, Alliance pour la refondation de la nation, la personne de M. Serge Gaspard, n'a dit nation captandée que nous-mêmes, l'ARN, nous prenons détermination et résolution d'accompagner secteurs institutionnalistes parmi lesquels, en tout premier lieu, le Sénat de la République. Mais ARN pas ni suiviste, ni fait de initiative que tu prends pour signer l'accord 11 septembre, nous fétiches. Nous ne sommes pas les fétichistes. Nous sommes des hommes qui se prononcent en faveur de l'état de droit, qui privilégie en démocratie, en diplomatie, en relations internationales et développement économique le bien-être du peuple. Peuple-là, tant que Jean-Président Sénat, sous le aujourd'hui est inexistant. Socialement, culturellement, etc. Mais nous constatons en tant que ARN que depuis l'avènement au pouvoir de notre Premier ministre, il n'y a pas d'initiative majeure, pas d'élan collectif pour organiser l'espace démocratique et encore moins pour donner une perspective d'avenir ni à la génération Capinio, ni à sa Capinio. C'est peut-être ça nous prend. Bâton de pèlerin pour nous ouvrir un dialogue avec tout haïtien conscient que je voulais vous dire là, nous en présence d'une crise majeure, aussi bien dans l'international là que dans le national là. Nous voulons engager avec le Premier ministre un dialogue d'hommes d'État pour répéter constamment ça que le président ARN a dit. C'est un homme d'État que sénateur Lambert, qui est le président du Sénat, sous palais là, eh bien nous-mêmes, nous applaudissons toute initiative qui visait refondation nationale dans le bon sens. Diverses organisations droit monde qui dans société civile continuent à exprimer colère face à l'accident ou bien assassinat pardon journaliste Maxime Lazare qui perdu la ville mercredi 23 février pendant le tap couvrir manifestation ouvrier yo responsable organisation débloqué Haïti en plaidé en faveur ouverture enquête pour arriver faire lumière blahi sur assassinat journaliste là les profiter critiquer comportement la police face à ouvrier protestataire yo Nelus dans micro original Rémi. En cause qui est juste, nous pas comprendre pour des policiers ou encore des soi-disant policiers t'attirer sur eux à balles réelles juste pour porter aller la vie des journalistes. Et ça qui est grave pendant l'année 2021, c'est le troisième journaliste qui va montrer le bâton sous Ariel Henry et au patron de ça fait gros bruit. C'est ça qui est hypocrisie dans le pays. C'est ça nous à dénoncer. Et nous avons demandé aux ouvriers de ne pas laisser prendre l'intimidation de ces dames pour voir ce qu'ils font là. Il faut qu'ils continuent la mobilisation pour nous. Bayo, ça y a pour nous dire. Nous dénoncer à toute force nous. Comportement m'accoute. La police gagne côté la fait désordre, la fait violence pour nous pouvoir de facto. Il n'est pas normal, je dis, pour la police à tirer sous journalistes. Est-ce que la police l'a déjà oublié quantité machine nous ça y a boulé. Je dis, pour gagner accès avec l'argent de ce petit cap. L'argent, il a fait quand même une augmentation salaire, pas y a pour vous. Une provocation, vous pensez que vous voulez ou pas prendre la provocation après vous étiez journaliste pour que vous voulez bagarrer même là avec vous. Ça, pas fait, et nous, après de ouvrir, continuer à mobiliser pour l'État. Attendez, continuer mobilisation pour l'État. Attendez, nous condamner ça et nous présenter sympathie par la presse en général. Et je dis à Jean ça grave là, si la presse pas là, il t'a plus mal toujours. Et nous-mêmes, nous pas d'accord avec ça qui passe là. Nous sommes dans des parquets du Port-au-Prince ouvert enquête. Enquête ici, pas chambre, pas rien. Nous, après des journalistes plus prudents, il faut qu'ils veillent en haut, veillent en bas, parce que je dis à gagner le pouvoir, qui pas accepter personne de l'idée contraire avec eux. Ça, je dis à c'est les poufettes, ça, je veux dire, c'est ça que vous faites. Et sans oublier,
Il y a trois mondes, je dis, qui au pouvoir, c'est eux-mêmes qui étaient dans l'opposition. Ils comptent comment pour faire montage. Ils comptent comment pour retirer vignes, pour faire diversion. Donc, on a demandé, messieurs journalistes, qui est très, très utile pour la population haïtienne, pour nous plus prudents. Madame, nous-mêmes, nous condamnons ça à la dernière rigueur avec fermeté. Il faut que nous d'accord, nous pouvoir là, qui sont pouvoirs un petit peu antisocial même. Nous, le mouvement, ça déjà, les tuer français, à tirer en devant Dieu. C'est pas une erreur. L'orgueil des mondes qui étaient dans le secteur démocratique, je dis, qui est au pouvoir. L'orgueil des mondes qui étaient dans la fusion, qui étaient dans la petite de Saline, je dis, qui au pouvoir? Et ils ont pénible en pénible, ils n'ont pas jamais qu'à élu. Je le souhaite. C'est normal, je dis, si vous pouvez pouvoir d'assaut après assassinat du président élu, c'est normal, il a créé toute tractation, il a fait toute confusion possible pour aucun des pouvoirs. Maintenant, ces citoyens, ces femmes et garçons qui vivent dans le pays, qui vous disent, il n'y a pas paix, ça qui est là, il faut que vous confrontez. Parce que l'article 49 de la Constitution 1987 dit que Ariel était doué faire élection pendant 90 jours pour nous retourner le pays dans l'ordre démocratique, dans l'ordre constitutionnel. Je ne sais pas. Et je dis là où on pile, il y a monnayé, il y a acheté téléphone bayo, qui a écrit sur le réseau qui dit que c'est 7 février 2023 pour un président élu venir tirer Ariel là. Semaine ça, c'était une semaine mobilisation pour ouvriers yo qui étaient continué à manifester pour exiger 1500 gourdes comme salaire minimum. Entre temps, réaction continuée à sortir après dernier incident qui arrivait côté plusieurs dans yo sorti blessé avec un confrère dans presse en ligne yo qui est mouru. Président Sénat Joseph Lambert les condamné intervention brutale la police contre ouvriers pendant dernière manifestation. Il y en a Port-au-Prince côté n'a rappelé ou t'a préclamé 1500 gourdes comme salaire minimum. Sénateur Sud-Est a dit qu'il regrette la mort journaliste, tandis que deux autres blessés dans l'exercice métier. Joseph Lambert, courrier travailleur dans le cadre travail a mené, ou plutôt bataille a mené pour exiger gouvernement tourner sous décision. Président Sénat Joseph Lambert, nami Corinne Chéladrien. Depuis quelques temps, Sénat très très proactif, Sénat a bougé très sérieusement, différentes commissions ont travaillé, Sénat a observé de près, un coup de loin, tout ça qui a passé là, je vous dis, en deux pays, problèmes ouvriers, journalistes qui mourent dans les conditions que nous connaissons, qui dérangez-nous encore une fois, nous déplorer ça que fait là et nous saluer mémoire journaliste et votre victime du dernier acte de brutalité policière qui a enregistré dans manifestation, je dirais, pacifique que vous venez de faire. Et nous portons toute solidarité, nous, bailleux dans le moment, et nous, encore une fois, aux côtés de l'ouvrier qui avait réclamé le bon droit, un ajustement de salaire par rapport à niveau inflation, comme plein de questions sécurité, jeunes qui mourent, monde qui mourent, nous disons rigole sans ça, eh bien, il faut que les ministres ferment les robinets là. Nous ne parlons pas encore pour les robinets sans les fermer. Et nous voyons que le Premier ministre est très peu soucié de la vie. Nous, en général, en témoigne tweet que le fait sous sa passé. Nous connaissons que la police joue un rôle, rôle sécurité, rôle protéger vie avec bien. Et en même temps, nous voyons que pas de lieu où la police agit de façon aussi brutale, aussi barbare, avec des paisibles mondes qui ont réclamé un ajustement de salaire. Nous croyons que par la même occasion, il faut que nous disions que l'État doit prendre disposition appropriée pour que, en même temps que nous avons parlé de l'ajustement de salaire, là, en même temps, tout nous protéger l'investissement qu'a fait, toujours faire check and balance à chaque fois. Et c'est ça que nous t'ai dit, et nous avons toujours redit qu'on mesure qui prend, qui sont mesures politiques. Nous t'ai dit trois considérations que un premier ministre, un chef de gouvernement doit faire de lui. Donc, on a augmenté le Gaza, il y a des considérations à faire. En même temps, pendant le moment ça tout, on a dit situation matissante n'est pas changée. Situation croix des bancaires est empirée. Situation sous mouvement est pire. Situation insécurité dans la zone route 9 pire. Et je vais le dire, mon dernier pas capable de vivre, il a dans la bouche. Académie police, gang a fait la vie de l'autre. Nous sommes sur notre frère, des faux policiers en uniforme avec sandales en pied, mitraillettes dans les mains,
Il y a kidnappé le monde, il y a prisonné le monde. Et hier seulement, il y a dimanche, c'est des dizaines de monde qui ou bien kidnappé ou bien assassiné. Elle n'est pas capable encore. Ça, il faut bon mot qui dit, ou bien ça passe, ou bien ça casse. Il est temps que tout le monde ressaisisse. Il est temps que le Premier ministre montre à la hauteur des responsabilités. Pour que ce n'est pas seulement gain pouvoir pour pouvoir, mais il faut gain pouvoir pour capable d'intervenir au bénéfice de la population. Et il faut courager pour bien aider la population dans chaque acte qu'on vient proposer. Il y a ajustement salaire, réforme dans le budget qui est alloué à secteur éducation, paiement arriéré, salaire, reconstruction, l'école qui crasée ou bien endommagée ou avec avantage social. C'est quelques parmi 27 revendications qui n'ont cahier d'oléance. Plateforme haïtienne, organisation, travailleurs, éducation, qui présentait par autorité concernée hier jeudi 24 février 2021 guerrier yo critiqué manque volonté et mauvaise foi autorité concernée qui jusqu'à présent pas fait rien pour améliorer système éducation ni conditions la vie moun kap travail dans système là responsable yo dans organisation c'est d'ailleurs souhaité faire un chita parler avec autorité concernée dans l'idée pour négocier ensemble et puis joindre entente par rapport à cahier et doléances sinon yo menace et mettre en application ensemble moyens constitution en bail syndicaliste pour forcer l'État à assumer responsabilité. Là, nous écoutons après l'autre Léonel Pierre avec Léo Junior, il y a un micro, Guerline Mouristin. Cahier de charge, plateforme haïtienne des organisations de travail en éducation, FOTE, qui déposé devant le ministère de l'Éducation nationale. C'est un cahier de charge qui gagne des revendications qui sont formulées à partir des constats sur la réalité du système éducatif. Et cahier de charge a gagné 27 points là-dedans. Et points ça a catégorisé des points à court terme, à moyen terme, à long terme. Nous avons après court terme qui gagne c'est ajustement salarial pour ensemble travail qui est dans le secteur. Nous gagnons paiement salaire professeur qui n'est pas budgétisé, qui travaille, qui a gagné les nominations et jusqu'à présent qui n'a jamais touché. Pendant que nous avons demandé ajustement salaire pour les gens qui travaillent, qui sont budgétisés, mais qui n'a pas rien. Et nous demandons tout pour gagner un fonds de crédit. Parce que nous avons arrêté ce statut particulier qui est sorti en 2014 et arrêté ça qui exige que gagner un fonds de garantie qui permette que le professeur ait accès à des crédits, des fonds d'investissement. Et nous demandons tout pour gagner des réformes qui fait en dedans qui sont budget ministère de l'Éducation nationale. Parce que, en pile fois, c'est pour le budget qui est évoqué qui fait gagner des services qui ne sont pas bien. Nous dit que gagner une réforme qui fait en dedans budget qui va permettre que gagner une allocation substantielle qui va permettre que gagner des revendications qui prend en compte, gagner des problèmes qui vont résoudre. Et comme nous dit, l'école a fonctionné aujourd'hui avec toutes les difficultés, des problèmes de l'eau, problèmes de cafétéria dans l'école, qui ont été accès à des plats chauds, tout ça, c'est ensemble des points qui là. Et par rapport à 16 janvier 2010, pour y aller vers 14 août 2021, tout ça, c'est des problèmes qui affectaient considérablement et bâtis scolaire. Ça veut dire, là-dedans, c'est des points demandés pour Timbou gagner des actions qui fait qui permettent que l'école soit reconstruite et pour reconstruire selon l'homme qui existait par rapport à nouveau secondaire qui n'a pas tourné. Parce que vous avez dit, monsieur le national gagne la question nouveau secondaire et nous allons pour nous demander pour gagner une séparation qui fait entre questions fondamentales avec nouveau secondaire. Exemple, vous avez dit, vous parlez de dans des établissements scolaires, ouais, dans le lycée, vous avez gain fondamental, gagne nouveau secondaire. Nous dit que faut gagner un découpage qui fait côté fondamental. C'est fondamental, nouveau secondaire, c'est nouveau secondaire pour éviter des mélanges. Ça veut dire, et ça fait nous dire, nous ne sommes pas capables de faire tout détail. Nous avons demandé pour que nous soyons faits. Des points, quand vous demandez des comptes qui vous faites, des points, tout c'est des mesures administratives, oui, tout simplement c'est des volontés qui vous gagnent, que vous êtes capables de faire. Et ça fait nous dire que nous exigeons négociation. Tout ça, ça va permettre que nous portions des solutions ensemble pour les gens. Il y a des gens qui gagnent 8 ans, par exemple, il y a des gens qui travaillent, qui remplacent un professeur qui prend pension, qui vient près de 8 ans, pour ça prend pension. Il y a aller pour ça remplacer, pour ne pas toucher. Échec ça aussi, échec cap flamé. Et ça fait, c'est question de corruption qui permet que il y ait des problèmes qui peuvent arriver. Et ça fait, problème très complexe, mais volonté que
gagner. Si vous faites carnaval, vous débloquez comme le budget. Quel que soit ça, vous faites ou vous faites comme. Ça veut dire que c'est volonté qui n'a pas gagné. Si vraiment vous avez une volonté, si vous avez une volonté, eh bien, ça veut dire qu'on a un monde ça, vous avez même capé travail, vous avez capé, c'est volonté qui n'a pas gagné. Le gouvernement au budget, il crée une situation et puis il monte le gaz. Vous avez subventionné, il n'y a pas de subvention encore et puis il n'y a pas de subvention encore. Le personne ne connaît qui ça, ça fait après subvention gaz là, comme ça, vous avez subventionné, qui ça le fait. Ça veut dire que c'est volonté qui n'a pas gagné. L'éducation n'est pas priorité. Et bien, puis le bagage n'est pas priorité. Il n'y a pas de priorité et il n'y a pas de priorité. Si c'est priorité, vous avez vraiment des coups de balle qui sont faits au fur et à mesure. Parce que les revendications nous viennent là, qui datent des années, mais qui toujours là. Nous faisons des constats par rapport à la réalité, nous formulons des revendications en tant que cahier de charge. Nous signifions, mais c'est une référence, nous, c'est l'éducation nationale. Nous disons, mais ça nous demande. Et troisième étape là, nous annoncer officiellement que nous faisons des démarches administratives. Jusqu'à présent, nous allons étape par étape. Nous, c'est des organisations syndicales. La loi dit comment pour nous faire. Et toutefois, le gouvernement pas décidé lui-même pour des réponses, et bien nous-mêmes, n'a pas appliqué en son action syndicale, j'en ai exigé que nous fassions. Malgré la volonté pour nous forcer, prendre en compte l'organisation et la satisfaction à eux.